Donc en attendant, est-ce que ça vous dit de gagner votre pain aujourd'hui? Comment Oui, ça gagner plutôt. notre pain? Bah, vous êtes dans T'as notre de la bouffe? clan. Non, vous êtes dans notre clan, il y a des trucs à faire. Bah, dites-nous, est-ce que vous voulez qu'on fasse et pour voir si c'est dans nos moyens. Vous voyez les malfrats là-bas là? Ils vous désignent les gars là-bas du doigt. Oui, Ouais. bah, je les connais très bien en effet. Eh ben, l'Ophélis là, il y a un petit problème avec lui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Cet enfoiré a profité d'une de nos Félices qui est dans la section est. Ouest, Viens pardon. voir. Bon, ok. Qui c'est que je dois buter? Bah c'est lui justement. Et si les gars veulent le protéger, Le butez-les nain? avec. Le Non, nain? le Félice. L'autre Autre... Félice, là? Ok, je vais le buter. Ah non, non, attends, 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 Nova, attends. t'inquiète pas, Non, non, t'inquiète non, pas. là je suis désolé, il a osé faire du mal à quelqu'un de notre propre race, il mérite la mort, Non, direct. je te dis pas qu'on s'en fout, je te dis juste, faut y aller subtil. Ah oui, faites ça comme vous voulez, hein. Oui, Tant que vous voyez subtil le avec problème, ça me va. un. Oui, subtil, une bonne dague dans sa gorge, tu vas voir que ça va pas Regarde-moi, être long. regarde-moi. Hey, vous trois! Hey, vous trois! Voilà. La subtilité façon Porthos. Quoi toi vouloir, lézard? Tu vois le Félix là-bas là? Non. C'est lequel les jeux? Y en a qu'un seul homme-chat dans le lot. Je sais mais je le vois pas moi ici. Non, Ouais, parmi les à tokens côté j'ai du nain. Y en a qu'un Ah seul qui a d'accord. une queue. Non, excusez-moi parce qu'en token j'ai du mal à faire la différence. Oh le Félix là-bas? Non. Tu te fous de ma gueule ou Fous-moi le camp. Non, non, mais attends. Le Félix là-bas, là, il a dit que vous étiez des. Dit que vous étiez des gros sacs à merde. Là. Personnellement, je n'aurais pas aimé, moi. Vous allez vraiment vous laisser traiter comme ça, là? Franchement, Je vais vous te faire. verrez. Maxi, je vais te faire un test de charisme, s'il te plaît. Vas-y. Je Je vais vraiment rajoute les convaincre de mon bonus ou buter pas? le. Non, non, je vais vraiment les convaincre de buter le Félix. Oh, pas Nova, hein, l'autre. Il fait un jet de charisme. D'accord, je te Est-ce fais qu'il ça. rajoute mon bonus ou pas? Oui. Plus Ah, 4 ok. donc. Ton bonus, c'est de combien? J'ai dit que plus 4. Oh, joli. T'as que 1 plus 1 Comment en te charisme? dire? Ça les intéresse, hein. Là, en fait, ils ont. Comment te dire? Ils sont pas armés, quoi. Ah. Ils sont trois fruines, dont un qui est, dont deux qui sont tout petits, contre un nain, un félis et deux humains. Ok, vous trois, on va faire quelque chose, vous trois. On va attirer l'attention de ces trois autres copains, puis vous trois, vous lui sautez dessus, sur le Félix, puis vous le butez. Vous avez compris? Puis je vous promets qu'on va vous le. Comment on peut dire? M'en Pourquoi fous. est-ce qu'on Un leur service casse pas pour un tout nain, tu vois. simplement la gueule? On s'en fout, on veut ses bottes. D'accord. Attendez ici. Quand vous nous verrez partir avec ces trois-là, là, vous lui sautez dessus. Vous avez compris? Vous Je me suis captivez-moi. caché. Ok, pardon. Ok, c'est parti. Fais ce que vous voulez. Eux, ils T'es attendent. riche. Ils se déplacent tous les trois. Bougez-moi pas, là. Aucun souci. Vous trois? Je parle pas de Félix, hein. Je parle des trois autres. Je vais refaire un autre test de charisme parce que je veux convaincre les trois de nous suivre, mais pas celui-là. Ouais, par contre là t'as pas de bonus de la part de ton ami. Pas de bonus? Compris. Et de moi? Non, non mais toi t'as aucun de bonus, question là. Non, non, c'est grâce à C'est une capacité à une cause de sa voix capacité. ça. C'est tout. Croisez les doigts, les gars. On croise. Merde! Putain. Putain. Bah t'as le nain qui te regarde. Dégage toi! Qu'est-ce que tu nous emmerdes, les araignards? Attends, il Je suis était pas assis à la con, place. mais t'as pas à parler à mon pote ainsi. Il a un problème, le chacal. Et donc, tu parles sur un autre ton, toi. Eh, hey, t'emmerdes pas mon pote, commence pas.
Ouais, tranquille dans notre coin, c'est vous qui venez nous emmerder, cassez-vous. On voulait juste vous parler à la base, hein. Oui. Bah dès ce que vous avez à dire, il foutait le camp. Non mais faut que vous nous suiviez, parce qu'il faut pas que les gardes nous entendent. Bah, on a pas envie de vous suivre, hein. C'est quoi ce délire? Non mais vous inquiétez pas, là, on est pas des... Je peux, par exemple, hors RP, je peux pas faire de test de charisme. Bah si tu veux leur dire que tu n'es pas un prisonnier ou quelqu'un de pas malhonnête, t'es en taule, mec. Honnêtement, ça passera pas. Non. À moins que tu me permettes un autre héros, un dernier. Un quoi? Un autre jet. Pour? Bah, un autre test de charisme. Pour? Pour les convaincre. Oui, pour les convaincre. Pff, allez, un dernier, par contre. Bon, c'est yes bien, là. Ok. Bon, ok, on vous suit. Ok, donc on les emmène un peu plus loin. Non, non, sans le chat. Non, pas de Félix. Pardon? C'est quoi ce délire? J'ai fait... Non, c'est parce que c'est... Parce tu leur as demandé de te suivre, pas de te suivre sans le Félix. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Non. T'as pas précisé. Avec le Félix. Ah putain, vous êtes sérieux? Ah, Trigun. Trigun, tu as pas précisé. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, je t'ai déjà dit. Écoute, on aurait besoin de parler sans toi, mon gars, mais t'inquiète pas, on t'en reparle juste après. Et justement, on aurait besoin de parler... Bien sûr, non, c'est hors de question, je me casse pas sans mon clan, moi. Écoute, mec... Mais bon, il va rien t'arriver. Non, les gars, c'est correct, qu'ils viennent. Je te le dis. À la limite, je veux bien rester, mais dans ce cas, votre ami Félix, il reste avec moi. Tu veux, ok. Non, mais moi ça me dérange pas, ok. Hein. Non, vous quatre, suivez-nous. Non, mais moi je veux bien rester avec toi, y'a pas de soucis. Non, mais vous deux, Nova, puis. Parler avec un compatriote, ça me dérange pas. Ok, moi, de la merde. Je me pose sur un mur. Putain, vous foutez en l'air complètement mon plan là. Je vais vous piffer. Ton plan est débile. Bah, résultat, les trois ils se barrent. Ils te suivent. Alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois en tôle? J'ai pas Isen. J'ai buté ta mère, c'est ce que j'ai fait. C'est une élégance. Oh, allez, plus sérieusement, dis-moi tout. Totalement. Ouais. S'il te plaît, mon cher Nova, fais-moi un jet de sagesse. Tout de suite. Oh, tu vois les fruits qui te foncent dessus. Hop là, ok, bon bah moi je me recule. Non, c'est sur toi qui fonce en fait. Hein? Mais est-ce non, que c'est je vois pas ça? Il te fonce dessus. Il te bloque. Ils t'ont bloqué. Mais arrête de bouger, reviens ici. Non, ils t'ont bloqué de vol. Ils t'attaquent. Je fonce sur les fruits alors. Attends, une seconde. C'est à leur tour, c'est eux qui attaquent. Ils ont que des points, je te rassure, ils ont pas de lame. Alors, en gros, ce qui va se passer. Hop là, que je fasse. Mais putain, pas... pourquoi moi? C'est Raphine. Tais-toi. Oh, pardon, excuse. Déguste. Mais non, c'est pas juste. Maxi. Juste, c'est tout. Non. C'est Raphine. Dis-moi, je veux savoir okay, pourquoi. Y'en a un qui te tape, un autre qui te touche aussi. Je vais attendre que. Et est-ce qu'il te touche le 9? Je sais pas, il faut que j'ai combien? Bah, t'as combien en def? En défense, j'ai. Défense, j'ai 10. Total. Bah, j'ai 10. Ok, bah, il te rate. Bah, c'est que c'était avec. Que des... Ah oui, total 12. Tu viens de te prendre deux coups de poing dans le ventre. T'as celui-là qui s'éloigne, il y a les autres qui commencent à se barrer. Maxi. Je vais pas te prendre Portos. Oui. Je fais des signes à Séraphine de lui dire. Je fais genre des signes pour lui dire fais le contour, puis occupe-toi de l'autre Félix. Pas du tout un plan sans accro, ça. Non mais vas-y, tout le monde est Vas-y, tout le monde est concentré sur... Bon, moi, je vais péter la gueule au gros froid. Je me mets à gueuler, garde. Fais-moi une attaque donc au coup de poing, vas-y. Et moi, je crie garde. Y'a les rats qui foutent le bordel. Ok, tu le touches et tu me l'aplatis par terre. Même... Ouais, non, c'est pas un jet critique, donc ouais, tu me l'as juste assommé. Mais j'ai le maximum des dégâts. Ouais, oui. Donc tu me l'as fait. En gros, il est KO quoi. Ouais, oui, il est KO. Putain, il est sac à merde. Mais moi, je regarde, y'a les rats qui fout le bordel. Les gars, ils vous regardent. Ils vous regardent. Je lance un regard aux deux autres.
Vous voulez tenter autre chose? Au fruine ou à nous? Non, au fruine, au fruine. Ah, en gros, tu les intimides. C'est ça. Attends, ah, okay. Attends, on va procéder. Donc, Porthos, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est juste, c'est pas une grosse baston, donc il n'y a pas de temps d'ordre. Bah, moi, je reste. Moi, je regarde Ben Séraphine, puis moi, je regarde autour pour être sûr certain que personne ne la voit. Nova, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je leur gueule, non mais ça va pas la tête, ça. Qu'est-ce qu'il vous prend? Là-dessus, il y a celui-là qui va t'attaquer, Porthos. Ah, oh, ben là, s'il m'attaque, je vais lui répondre. Attends, non, c'est trop tard, il fallait réagir avant. Oui, mais ce que je vais te dire, c'est s'il m'attaque, je vais le... Tantôt, je vais lui foutre une baffe. Ok, il te touche, il t'a foutu une dans la gueule. Il n'y a pas besoin de faire de dégâts, on s'en fout, c'est qu'une baston. Surtout que vu ma grosseur. Oui, voilà. Ensuite, il y a celui-là qui va t'attaquer, Nova, ainsi que le nain. Ok, j'en ai marre, je vais essayer de... Ok, il touche pas. L'humain te rate, mais le nain, il te touche. Non, j'ai en total 12. J'ai regardé total 12. Ah bah voilà. Donc ok, le résultat, les deux, ils te ratent. Bon, est-ce que je peux faire une action assez précise, en gros? Vas-y. Leur prendre leur tête et... BAM! Leur cogner les deux têtes. Ça va te demander de me faire un jet de dextérité, ça. Ok, bah je... bon, c'est pas de la force, plutôt. Eh bah, je tente. Non, ça c'est la dextérité. Il essaie de les faire choper entre eux. Tente. La force de l'adversaire. Oh. Ok, bah tu te rates lamentablement. Séraphine, elle a pas le droit à faire des actions. Justement, là c'est à elle, Séraphine. Ah, ok, d'accord. Tous ces Isem, mettez-moi, bordel de merde. J'ai le désespoir là. Et d'un coup, il a pas Stop, encore merci. Capté. Séraphine, qu'est-ce que tu fais? Le Félix, il a pas encore capté, on va dire. Donc, lui, il reste dans son coin, il comprend rien. Il m'a pas encore vu? Non, il t'a pas vu. Fais-moi un jet de discrétion pour voir. C'est de la Dex? C'est de la Dex. Oui, c'est de la Dex. Oui. Oublie pas de Oui, do it, Fagot. Do it. Tu fais le calcul dans ta tête, on le fera vite fait avec. Attends, il me semble que t'as un plus 2 et t'as un bonus déjà de plus 1, donc t'as un bonus de plus 3 selon ton score. Vas-y, fais un jet de Dex. Maintenant pour me le rater. Oh putain. Elle a réussi. Ça fait 11. Donc ça fait. Non. Ah si, oui, ça fait 11. Donc, on va voir, est-ce que lui. Ouais, il t'a carrément cramé. On va dire que pour l'instant, je me pose simplement à côté histoire d'être tranquille. Bon. Ah, juste, il y a les gars qui se pointent là, vis-à-vis, parce que là, ça commence à faire un petit moment. Bon, allez, hop, vous calmez, vous tous là. Stop. Ah, moi, je veux bien me stopper, mais c'est eux qui continuent. Les fruines, elles se calment, mais elles sont quand même un petit peu énervées. Et eux, ils se calment aussi. Donc, à moins que vous vous calmiez pas, c'est vous qui voyez. Non, je me calme. Allez, les gars, on arrête là. Je fais ce qu'on m'a demandé. Je vois qu'on a pété la gueule à mon pote. Je vais péter la gueule à un de leurs potes. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais m'attaquer au Félix. Non, c'est bon, arrête. Est-ce que je peux le prendre? Non, 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 non. Je peux le prendre par les cheveux avant qu'il sente. Ok, si tu veux t'entraîner, ça sera un test de force. Opposé? Allez, je tente. On fait tous les deux un test de force. Ok, je tente. Bonne chance. Adieu. Oh les mecs. Pour te la faire simple. De toute façon, moi, de mon côté, c'est un critique. Moi, j'ai juste caressé ses cheveux, en fait. Non, pour que ce soit un critique, il faut que ce soit le G de 20, le D20. En gros, là, c'est juste que t'as fait un putain score. Donc là, oui, t'arrêtes absolument pas. C'est du D20, là, non? Oui, c'est du D20, mais tu n'as pas fait un 20. Non, t'as pas dit que... T'expliquer. Et t'as fait un 19. Je fais un critique sur les 19. Calade. T'as oublié? Si tes trucs sont pas... Ah oui, bon, résultat, oui. Effectivement, oui, j'avais oublié cette bénédiction, excuse-moi. Donc, effectivement, oui. Ah bah ok, bah j'ai réduit. T'as fait un critique, résultat, tu t'es pointé devant, t'as même eu le temps de lui foutre une baffe, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, exactement? Mute là. Non, je lui enfonce sa tête contre le mur. Ok. En gros, tu le butes. Fais-moi un test de force. Je vais pas le buter. Oh bah, c'était ça de tout. J'espère pour toi de faire un échec critique. Ok. Tu vas le toucher, il va finir contre le mur. Est-ce qu'il résiste? Fait un petit jet de constitution. Ok, il résiste. Oh.
Mais il a fait surtout un joli petit dé, surtout, c'est tout ça. Donc vous voyez que là, il est un petit peu déboussolé, hein. Et résultat, il va t'attaquer. C'est pas vrai. Il te touche. Ça aurait fonctionné si Fouine t'aurait pas confondu avec il l'autre. Il t'a foutu un méchant coup de poing à la gueule. Bon, il est très costaud, mais voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'était finement confondu ou il savait que j'ai, j'ai déjà eu pire. Ouais, mais justement, puisque tu t'attaques à leur chef, il y a ces trois-là qui se pointent sur ta gueule. Oh non! Et qui commencent à t'attaquer comme jamais. Du coup, est-ce que celui-là je peux essayer? Que celui-là, je peux essayer de l'attaquer, lui. Alors, bah pourquoi j'ai fait 5G, moi? Donc, il y en a un qui te touche. Ok, le nain et l'humain te touchent. Le petit fréluqué en blanc, il te touche pas. D'accord, bah moi, j'en profite pour essayer de l'attaquer, lui. Attends, c'est lequel qui touche? C'est ces deux-là qui touchent. Une défense de 12? Les fruits, elles foutent le camp avec leur grand frère qu'elles commencent à tirer. Le 15, c'était la réplique du Félix. Hein. Pardon, de quoi? Ah oui, le 15, c'était la... Oui, donc résultat... Oui, ok, donc il n'y a que le nain qui te touche. Il y a les gardes qui commencent à se pointer, là, en masse. Mais vous allez vous calmer, oui. Je continue de tabasser le Félix. Ok, Maxi. Oui. Je vais prendre Izem. Je vais essayer de le maîtriser, je vais essayer de le faire reculer. Ok, je te fais ça. Mais calme-toi, s'il te plaît. Oui, calme-toi, putain. Ah, oh, c'est quoi ce... Opposé. Force opposée. Est-ce que je peux... Moi j'en ai marre, je lui gueule de... Tu le tiens en fait, t'arrives à le tenir en fait, mais sauf que ça le retient pas. Résultat, il continue. Et vas-y, Porthos, qu'est-ce que tu fais? Séraphine, qu'est-ce que tu vas faire? Excuse-moi. C'est vrai que ouais, elle va rien discrète, faire, hein. Comme d'hab. T'es tellement discrète. Putain, aide-moi! Comment dire, je vais pas être d'une grande aide? Moi, j'essaie de le convaincre. En lui gueulant et dessus, maintenant tu vas te calmer. Tous les gardes sont ramenés un peu, j'essaye de me barrer un peu plus loin en fait. Est-ce que je peux lancer l'attaque contre le machin? Là tu passes pas, Séraphine, je te dis de suite, t'es grillé. Bon, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer de gueuler à Izem, essayer de le convaincre par la parole en lui disant bon, maintenant calme-toi, s'il te plaît, c'est bon, il y en a marre. Essayer de le convaincre par la parole. Bah écoute, ouais mais ça marchera pas, c'est en fonction du joueur ça. On essaye quand même. Bah écoute, est-ce que tu te calmes Izem? Ouais non, là ça fait trop longtemps qu'Izem a besoin de se défouler. Je retente encore de le tirer par les cheveux pour qu'il s'arrête. De force, avant ça, est-ce que je peux faire mon... Mais justement oui, c'est à toi. Mon jet pour taper le Félix. Ah et bah voilà. C'est à toi, attends, d'abord ton jet s'il te plaît pour mon cher Izem pour essayer de taper le Félix. Ne me fais pas un échec critique. C'est un 7. Ok, tu le rates là cette fois, il réussit à esquiver. Mais regarde-moi ce que fais un jet pour la résistance de Nova, s'il te plaît. Ok, tu le résistes. Je regarde, je tire les cheveux sur Izem, je suis accroché à lui, je fais Izem, arrête! On va être dans la merde! On vous laisse 10 secondes pour vous calmer et vous foutre par terre! Izem, arrête-toi! 2! Izem! Il y a les 4 qui se mettent par terre. 3! Moi je me mets par terre. Ok, 4, moi je te fais un dernier jet de force et je l'ai pas. Je me mets par terre. 5, moi aussi je me mets par terre, c'est fais bon. Fais ton jet de force. Ok, fais le contre. Ok, tu le résistes. Je donne un dernier coup au Félix. Vas-y. Et si ça touche, je mets par terre. Là par contre, c'est le dernier. Putain. Ok, tu le rates. Bon, je me fous au sol. Il a réussi à rouler. 8. Et là, c'est là par contre, Izem, t'es tout seul debout. Hein. 9. Ils ont les lances tendues. Je mets par terre. Putain, on peut pas s'amuser ici. Izem, t'es un fou dangereux. Non. J'ai okay, grandi bon, en Araldi. Vous m'embarquez ces quatre là. Et juste à... Hop. Merde.
Le Félis. Voilà, merci. Hop là. Il y a Sola. Putain, on a rien fait, nous, le... Qui embarque les 4 Félis. Ils disparaissent, ils sont bons. Sam, qu'est-ce qui t'a pris? Vous quatre, t'es con ou quoi? Je peux savoir ce que c'est que ce délire? Ouais, aucune idée, monsieur. Bon, je parlais. Alors, déjà, ce qui se passe, c'est que je parlais tranquillement avec l'autre Félis. Puis t'as les rats qui m'ont agressé, puis ensuite t'as l'autre bande aussi qui a commencé à m'agresser, donc forcément t'as mon pote, qu'est-ce qu'il a voulu? Bah il a essayé de me défendre, c'est pas normal quoi. Mais bon, j'ai essayé de c'est le... C'est pas une raison. Oui, on sait que là pour coup, on a essayé de le calmer, mais bon, notre pote est assez... Et si une des fruits là se mettait à... à te suriner par derrière ainsi, tu réagirais comment toi? Hein? Tu crois que je vais les laisser ces connards attaquer mes potes sans réagir? C'est pas mon problème, la prochaine fois tu règles tes affaires tranquillement. Et c'est pas ma faute s'ils ont voulu me buter, hein. Est-ce qu'on a l'air d'avoir quelque chose à foutre? Oh ça non. Est-ce ça, que je j'en sais ai l'air d'avoir quelque chose à foutre? Ils aiment capte-toi le tâche comme moi. Non, ils aiment calme-toi. Cool, hein. On est gentil avec les gardes. On est gentil avec les gardes, Izen. Hein. Vous inquiétez pas, ça lui arrive d'être un peu colérique. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal dans son habitude. Ne le prêtez pas attention à ça. Vous... Excusez-nous, messieurs les gardes, on va rester calme. On s'est promis. Non, mon plaît. Je leur souris de tous mes crocs. Un peu malade. Fais-moi un magnifique jeu de charisme et fais-moi un échec critique, je t'en supplie. Non. Elle veut pas. Voilà. Okay, ils adorent les chats en fait, ils sont attendris. Ils ont vu la vidéo Cher chaton de Friskies. C'est ça. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ok, bah résultat, ils te foutent la paix. Ok, c'est pour cette fois, hein. La prochaine fois c'est au trou. Tous. Merci beaucoup, messieurs les gars. Putain, mais pourquoi je n'arrive pas à choper. Vous pouvez choper un nain, c'est mieux. Voilà, ouais. Résultat, ils s'en vont. Ils vous foutent la paix. Vous trois! Tu parles à qui là? Au friend! Bah y'en a. Ah là ils vous en veulent la mort, hein, ils vont même pas les approcher. Non mais moi je leur fais des signes à leur mandat, genre j'essaye de leur faire comprendre, putain qu'est-ce qui vous a pris? Ouais, pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez attaqué mon pote, bande de connards? Mais vous avez dit d'attaquer Félix, on a attaqué Félix! Oui! Mais nous, vous parlez du Félix, tu es l'autre groupe! Bah, ça fallait préciser! Vous a précisé! Qu'est-ce que vous foutez de ma notre gueule? Comment ça le préciser? Chut, mais non! Ok! Mais vous êtes ça une va... bande de cons! Non, mais ça va, ils aiment! Regarde, un de leurs potes là, il est dans le coma là! C'est correct, on est quitte! Mais la prochaine fois, il est non, justement, on n'est pas quitte! Non, vous avez compris? Zem, calme-toi. On va. Tu sais quoi? Ah bien, en fait, justement, vous trois, je veux dire, vous deux, les fouines. La prochaine fois, essayez d'attaquer l'autre Félix, d'accord, les fouines? Oui. L'autre. Oh merde. L'autre Félix. Vous voyez un gentil monsieur qui commence à arriver. Merde. Bon, dis-moi, Izem, et si on allait se balader un petit peu là, ce serait peut-être bien. Je le prends par le bras. Reste proche de moi, s'il te plaît. Prisonnier Izem, viens ici. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, votre seigneurie? Magne-toi. Il est là, merde. C'est toi qui as mis ce fruit par terre? Ouais, pourquoi? Et qui a tabassé ce Félix? C'est ça. J'en déduis que tu sais te battre. Pas du tout. J'ai jamais touché une arme de ma vie. Eh ben dans ce cas, il y a une punition à prendre. Tu vas à l'arène. Non. Je pensais que c'était le seul moyen de sortir d'ici.
Le meilleur moyen de se faire du fric, c'est d'avoir le meilleur combattant à qui parier dans l'arène. Et je pense que tu peux être une bonne pâture et tu peux me rapporter beaucoup. Et si je refuse de te rapporter quoi que ce soit? Tu n'as pas vraiment le choix. Je te laisse 5 petites minutes. Tu peux choisir quelques petits amis qui peuvent venir avec toi. Ah, et là, par exemple, les fouines, là, vous nous suivez. Là-dessus, ils s'en vont. Ah non, les fouines, elles peuvent pas. Sans leur grand frère, elles viennent pas. Ah bon? Ah merde. C'est l'occasion rêvée. Eh bah, dis donc. Je savais que vous étiez doué dans un baston, mais à ce point-là. Ouais, enfin. Moi, je suis surtout doué avec les belles paroles, hein, pour le reste. Maxi? Oui. Un test de médecine sur le fouin qui est dans le coma, là, ça serait un test d'intelligence. Ouais, on va pour le réveiller. Un test d'intelligence, ouais. Je vais t'en faire un. Oh mon dieu. Ça va être comique. Non, mon dieu. Ah, tu sais pas comment tu t'es débrouillé. Tu lui as fait un fait dodo, en fait, avec le pouce, à la mimi-sucu, et tu me l'as réveillé. Bah là, ils veulent pas m'attaquer, là, les fouines. Non, je crois pas qu'il soit en état. Hein. Non, elle non. Par contre, lui. Non, c'est bon. Ça vole. Va-t'en. Mâche, tu pues. Et oh. Portos. Et oh, tu prêt. Et tu pourrais me dire merci au moins. Là-dessus, ils s'éloignent. Ils se mettent tranquilles entre eux. Non, mais attends. J'aimerais leur parler un petit peu. Excusez-moi, les gosses. Ce sera pas long, je vais revenir. Dégage, va-t'en. Non, mais écoutez-moi. Là. Croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Mon dragounet, s'il vous plaît. Faut le camp. Tais-toi. Portos, mon oui, dragounet, s'il te plaît. C'est pas chaud. Je le vois qu'ils sont reconnaissants, ils m'auraient attaqué à vue. Oui. Ouais, désolé, juste aller réanimer l'autre. On voit ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, ils aiment l'air de rien, tout le bordel que t'as fait, ça a porté ses fruits, on va pouvoir aller à l'arène. Non mais tu te rends compte de qu'est-ce que t'as fait? Bon, écoute, je pense que l'arène serait le meilleur moyen pour avoir une échappatoire. Ah non, vous êtes complètement... Vous avez rien écouté de qu'est-ce que j'ai dit? Si on va dans l'arène, on est foutus. Foutus. Non, vous inquiétez pas. Je compte faire perdre son argent à Scanner. Si tu fais ça dans perdre, désolé, hein, l'arène c'est des combats à mort. Hein. Non. Tu si. Non, c'est pas ça. Si, c'est des combats à mort. Ce serait match nul. Y'a pas de match nul. Ah non. Ils aiment ces. Je te jure. J'ai posé la question à Maxi, il me dit que c'est des combats à mort. Ça, vous l'avez entendu en l'âge en travers. Hein. Les mecs, soit ils sortent, soit ils crèvent. Hein. Je trouverai un moyen. Écoute, tout ce qu'il faut faire, c'est que tu te calmes, parce que, hein. Je veux bien que tu sois une montagne de muscles. Parfait. Mais là-dessus, vous voyez le capitaine qui revient. Oh merde. Alors, il y a un petit groupe de 4 combattants qui commence à tenir tête à mes prisonniers. T'as choisi qui est-ce qui t'accompagne, le bleu? Les trois là ici. Lesquels? Bah parfait. Là c'est ta chef de clan, il te dit, ok, bonne chance. Un plaisir de vous avoir connu. Allez messieurs. C'est pas réussi. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Merde, pourquoi tu m'as mis dans cette galère? Casse les couilles. Tu fais des tours de magie, c'est ça? Bon bah... Je te permets pas. C'est pas des tours de magie, s'il te plaît. Un peu de respect pour la pour les voilà, pour les sortilèges. Venez, oui. Oui on arrive. Ouais. Tu tour de moi, juste t'en foutre moi, tu tour de moi, j'ai un gros nul. Il est pas content le chat. Armes, au moins. Le chat, il te crotte. Eh oh. C'est rigolo un félis mage. Eh oh. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est aussi surprenant d'être un félis mage? Non, c'est juste que ça raconte n'importe quoi.
Là-dessus, il y a un Donald qui fait des bruits de canard. Il y a ce garde-là qui vous ouvre la porte. Vous montez en... Ou alors vous crevez, c'est tout. Allez, vous montez. Éteins de problème. Là-dessus, donc, vous montez. Izem, c'est toi qui me reproche à chaque fois que je fais des conneries. Contrairement à ce que tu fais en général, moi j'ai de la marge. Eh oh, mon plan aurait fonctionné si les fouets n'auraient pas confondu notre Félix. Eh bah tu vois, finalement, c'est j'ai bien fait de m'éloigner de vous. Donc, là-dessus, vous vous retrouvez à l'arène. Et puis Philippe, c'est...